Hommage à toutes les personnes LGBT et autres qui se font assassiner, tabasser, lapider tous les jours dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les morts LGBT. Et notre ministère, les discriminations que nous subissons le jour par jour en Afrique, dans tous les continents, ne doit pas être hiérarchisé, ni récupéré par personne, et encore moins par les médias. Et parce qu'il y a encore le sida qui tient derrière nous. Il nous persécute. Il persécute aussi des populations les plus exposées, celles qui ne sont pas reconnues encore ni protégées par aucune législation dont la France fait partie. Et c'est bien pour cette raison que hier, une personne trans est morte du sida. Elle faisait partie de notre association AcceptST. Nous, on a présenté le moment où les appareils, on était déconnectés parce qu'elle était en phase terminale du sida. Et moi, j'étais des fans, devant elle. Et j'ai subi aussi ce que beaucoup essayent aujourd'hui de dire, le sida, elle ne tue plus. Ce que beaucoup disent, le sida, il n'est pas compliqué à vivre aujourd'hui. Elle est toujours compliquée. Elle est aussi une situation de classe sociale. Le sida tue aussi par la classe sociale. Et c'est pour cette raison qu'au nom de Breda, ces femmes trans, migrantes, racisées, qui étaient séropos depuis 30 ans, qui a vécu le trottoir pendant 54 ans, aujourd'hui on va allumer ça, mais c'est pas au nom d'elle tout seul, c'est au nom de toutes les victimes LGBT pauvres. Et je vous prie de lever la main au nom d'elle et de toutes ces personnes là Brenda. Au nom de toutes les personnes LGBT, au nom de tous les membres de l'association AcceptST, au nom des personnes qui t'y aiment dans ton pays, Équateur, en mon nom propre, en hommage à ta force, parce que depuis 2010, le moment où on a créé notre association, tu as été toujours la première à tenir notre banderole. Et vous avez la preuve dans notre photo. Et je te dis, hier, j'étais fier de toi. J'étais très touché par ton départ. Et nous, on est là pour te dire qu'au nom de toi, au nom de la lutte contre le sida qui touche aussi les personnes LGBT les plus précaires, on continuera la lutte pour toi et pour toutes les autres. On vous rappelle,
Thank you.